Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ce délicieux et fondant brownie avec cet ingrédient très spécial. Allez, je vous fais découvrir. C'est parti, direction cuisine. Pour cette recette, il vous faudra 180 g de patates douces cuites, 250 g de beurre de cacahuète ou d'amande, 100 g de noisettes, 30 g de cacao, 50 g de poudre d'amande ou de noisette et 130 g de sucre de canne complet et une cuillère à café de levure. Tout d'abord, dans un grand saladier, nous allons ajouter la poudre de cacao. Nous allons ajouter la poudre d'amande ou de noisette. Nous allons ajouter notre sucre de canne, la levure et nous allons bien mélanger le tout. Dans un deuxième plat, nous allons écraser notre patate douce. Nous allons ajouter notre beurre de cacahuète ou notre crème d'amande et nous allons mélanger jusqu'à ce que notre pâte soit bien homogène. Nous allons ajouter notre premier mélange dans notre saladier. Nous allons ajouter nos noisettes concassées. Dans un plat beurré et fariné, nous allons ajouter notre mélange. Il a l'air un peu sec, mais je vous promets qu'après cuisson, ce sera une tuerie, il sera hyper moelleux. Bien étaler notre mélange à l'aide de notre cuillère en bois. Et maintenant, nous allons pouvoir le déposer dans le four pendant 20 minutes. À 180 degrés. Et voilà, notre dessert est enfin prêt. Nous allons pouvoir enfin le déguster. Moi, je n'attends pas, je le déguste direct. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu et moi, je vous fais plein de bisous.